Conformément aux instructions de Prema Shakti Devi, voici mon exercice de travail sur les vayus. Pour le premier travail qui se fait sur Pranavayu, j'ai choisi Svara Yoga. Pour cela, je garde mon assise, je respire sur 4 temps et j'expire sur 8 temps, sans rétention. Prêt pour l'inspire, j'inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Le deuxième travail concerne Apana Vayu et j'ai choisi Mula Bandha sur rétention respiratoire en flexion vers l'avant. Je me porte donc en posture de l'abeille. Et je respire avec Mula Bandha pendant les rétentions. Prêt pour inspire, inspire. 1, 2, 3, 4. Rétention avec contraction du périnée. 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Rétention avec Mula Bandha. 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Rétention Mula Bandha. 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Rétention Mula Bandha. 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Rétention Mula Bandha. 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Rétention Mula Bandha. 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Rétention Mula Bandha. 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Rétention Mula Bandha. 3, 4. Le troisième travail concerne Samana Vayu. Et pour cette phase, j'ai choisi une posture inversée, Sarvangasana, ou la posture de la chandelle. À partir de là, je m'élève en posture de chandelle.
je reviens en posture assise. Le quatrième travail concerne Udana Vayu et j'ai choisi Jalandhara Bandha, menton incliné vers le sternum, et simultanément j'effectuerai des postures de visage. J'incline donc mon menton vers ma poitrine, j'effectue les mukhasanas. La souris, le chien, la suspicion, etc. Pour le cinquième travail, qui concerne Vijnana Vayu, j'ai choisi une posture d'équilibre avec asymétrie. Je me porte donc en Padasana. Je pose mon pied droit sur ma jambe gauche. Je lève mon bras gauche en posture de mât. J'en ai terminé, Prema Shakti Devi.